L'association Un hôpital pour les enfants, en fait, elle est là pour améliorer, en collaboration avec les soignants, les conditions de vie et d'hospitalisation de l'enfant et de sa famille. Donc on est là pour effectivement soutenir les familles, mais aussi pour proposer des activités aux jeunes. L'association, c'est un... Alors, c'est plusieurs choses, l'association. C'est un lieu où les enfants peuvent se retrouver entre eux, avec leur famille. C'est aussi des interventions en chambre. Et par mon expérience de conteuse, je me suis rendu compte que c'était vraiment un moment suspendu, en fait, le moment où on intervient et où on leur parle d'autre chose que des soins. C'est bien la tienne? Ouais. Alléluia. Allez. Oui, merci de retrouver ta carte juste en faisant bouger le paquet. Et là, il y a une carte qui sort, une seule. Vas-y, oui. Tu veux bien la prendre? Allez, que la carte. Est-ce que tu la connais? Ouais. C'est bien la tienne? Ouais. Vous êtes sûr? Vous voulez parier? Non? Ensemble, regardez. Enlevez juste votre main. Car normalement, le paquet a bien disparu. C'est bizarre, hein, Nini. Ça fait un bloc transparent. Ouais. Croque-le. En plus, je sentais bien sale. Mais oui, elle est bordure et tout. Salut. J'ai juste enlevé le code. Et normalement, si j'ouvre à l'intérieur... Ouais, il est totalement piégé, je t'assure. Est-ce que tu la connais? Non. C'est bien la tienne? Ah oui, de pique, ça marche. Le travail à l'hôpital, auprès des enfants, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite un retour avec des grands sourires, un retour positif. Donc on reçoit énormément, presque plus que l'on ne donne. Pas trop fort et bien dans l'accès. Waouh, elle est super rapide. J'ai même pas eu le temps de bouger, elle est déjà vraiment sur le coup. C'est super sympa pour les enfants de pouvoir les distraire, de sortir un peu de ce contexte un peu hospitalier. Ça les divertit, ça leur change les idées, je trouve ça sympa. Ne t'en parais un peu moins là, hein? Là, c'était très sympa. Ce qui était très intéressant, c'est que, avec peu de matériel finalement, on a réussi à créer une bonne ambiance. Pourquoi? Parce que l'enfant a été super réceptif, mais également le parent qui était à côté, sa maman qui était avec elle, qui était comme son enfant, tout aussi prise par la magie. Donc, quand les deux sont là, du coup, ça prend plus de force. La magie a la force qu'on veut bien lui donner. Voilà. La magie, c'est le regard que pose l'autre sur ce que je fais. Et c'est pas seulement le tour de magie. Et c'est là que ça devient encore plus incroyable. C'est quand les personnes qui regardent donnent encore plus de magie à ce que je fais. Par leur attitude, leur manière d'être, tout simplement.